Te voir sur scène. Bah écoute, quel bonheur que vous soyez venu surtout. Non mais il y a un David qui fait des disques comme ça qui enregistre et puis il y a le David sur scène. C'est chez toi sur scène, c'est incroyable ce que tu donnes. Bah c'est un univers différent. De toute façon, moi je pense que la musique avant tout c'est du partage et voilà. Et je crois que la scène c'est le seul moment où on peut partager avec le public, avec les gens. Et échanger quoi, et moi j'ai besoin de ça, la scène c'est, quel que soit l'artiste, je crois que la scène c'est ça, c'est le plus important. J'ai jamais vu un artiste qui est aussi fédérateur sur scène. Ah bon? Non mais tu viens nous chercher quoi, tu, je crois que tu peux venir chercher tout le monde. Non tu vois? Je sais pas, mais en tout cas c'est vrai que j'ai besoin du public moi, c'est pas plus compliqué, j'ai besoin des gens. Tu fais ce métier là pour ça? Mais je fais le métier d'artiste. Pour les gens, je fais pas ça pour moi, je fais ça pour partager avec les gens. Enfin, j'ai besoin de faire la scène, d'aller chercher les gens qui viennent, qui tapent dans les mains, qui chantent, qui pleurent, qui rient, qui. Voilà. Et que leur musique, si ma musique leur parle, parce que voilà, après on aime, on n'aime pas les styles musicaux. Déjà, tu es très élégant sur scène, tu as cette légèreté. Non, mais c'est vrai, tu es élégant, tu es beau. Et le truc en plus, c'est que. On a l'impression que même si tu chantais n'importe quoi, tu nous amènerais quelque part. Et en plus, il y a ce travail avec Grégoire où les textes sont très bons, où il y a vraiment chaque fois une histoire où on se reconnaît. Et le mélange des deux, c'est-à-dire ton énergie, ton côté sympathie, ton côté fédérateur, plus le travail de Grégoire, ça donne un truc mais complet. Alors c'est vrai qu'au niveau de l'équipe qui m'entoure, entre Grégoire qui écrit la majorité de mes textes, sur cet album j'ai coécrit 3 textes en tout cas, et c'est vrai que j'adore l'écriture de Grégoire, il a une écriture qui me correspond. Il écrit sur mesure, c'est un vrai auteur aujourd'hui, ouais. Avec une écriture à la fois universelle et à la fois personnelle. C'est des histoires qui nous parlent. Mais oui, mais en fait je parle de ma vie et les gens s'y retrouvent dedans. Pourquoi? Bah parce que Grégoire, il sait parler aux gens. Mmh. Et moi, ce que j'attends des gens qui m'entourent, c'est qu'on sache parler aux gens. Parce que moi, quand je suis sur scène, je vais parler aux gens. Mmh. C'est pas plus compliqué que ça. Et quand il me dit qu'il soit, je ne sais pas leur dire non. Désolé, toi mon pote, mon ami, tu es presque mon frère. Et je peux pas répondre à tes envies. Désolé, toi mon pote, mon ami, je préfère être sincère. Je ne peux pas être l'homme de ta vie. J'ai envie de dire un mot étrange pour un chanteur, mais t'as un côté funambule. Tu vois ce que je veux dire? Bah, c'est un bon compliment, parce que funambule est pour moi égal artiste. Ouais. Funambule, c'est un artiste. Funambule, oui, peut-être, je sais pas, mais... T'as une légèreté comme ça qui nous entraîne et qui est absolument magique, qui est émouvante et ouais, une bonne légèreté, tu vois, dans le bon sens. Et en ce moment, on a besoin de ça. Hein. Bah, je crois qu'aujourd'hui, oui, on a besoin de fraîcheur, on a besoin de soleil, on a besoin de s'évader parce que la vie n'est pas simple pour tout le monde, hein. Que ce soit l'économie, que ce soit les conflits, que ce soit enfin tous ces problèmes. Je pense qu'aujourd'hui on a vraiment besoin d'amour, et c'est ce dont je parle. Je crois que les plus belles chansons parlent d'amour. J'ai fait le tour du monde avec mon sac à dos, j'ai rencontré des gens dans la galère, dans la misère, dans plein de choses. Et c'est vrai que j'avais envie de parler de ça parce que tous ces gens qui soi-disant devaient être tristes, étaient heureux, pas grand-chose. Et ils m'ont donné ça. Et ce que j'ai envie de faire sur scène, aujourd'hui j'ai envie de dire, arrêtons juste de nous prendre la tête. Juste essayons d'avancer chaque jour qui passe, mangeons la vie, elle est courte la vie, elle passe super vite. Mmh. En un instant, on n'est plus là, ouais. Et on part avec rien.
Donc je pense qu'il n'y a qu'une chose à faire, c'est de la manger la vie. Alors essayer d'avoir le sourire au maximum, arrêter de critiquer l'autre, son voisin, de juger ou autre. On ne peut pas tous s'entendre, c'est sûr. Ça, après, ça devient utopique. Mais je pense qu'on peut essayer au moins de faire quelques efforts pour juste prendre quelques moments de bonheur dans la vie. Je suis le trotteur, selon fuite avec mes peurs à vous. Enfin, Club Trotteur, c'est une chanson donc, qu'on a coécrite avec Grégoire. Une chanson qui est née, bah, voilà, c'est un peu le parcours de ma vie. C'est une chanson qu'on retient bien, de ce que beaucoup de gens me disent. C'est vrai que c'est une chanson qui fredonne dans la tête. Et ça me fait plaisir parce que des fois, je croise des gens dans la rue qui m'ont vu ou qui ont entendu ma musique. Et des fois, qui vont « Ah, c'est le Club Trotteur !» Alors ça m'amuse beaucoup et c'est génial parce que c'est un titre... Je pense que c'est un titre qui est important parce qu'on a tous rêvé un jour d'aller vivre sur une île déserte. On a tous un jour rêvé de prendre son sac à dos et de partir et de changer de vie. On y pense encore aujourd'hui, on y pensera encore demain, on y a pensé. Et cette chanson, elle se résume un peu à ça. C'est comme Tintin, quoi. Tu es le Tintin de la musique. Ah, enfin, c'est drôle que tu dises ça, parce que quand j'avais 15-16 ans, j'avais une petite toupette comme ça. Les gens m'appelaient Tintin, parce que je lui ressemblais. Alors c'est drôle que tu me dises ça. Oui, c'est peut-être comme Tintin. C'est une belle image. Et oui, bah, tant mieux si les gens adhèrent à mon univers. Venez, hein, je vous emmène hein, sur ma planète. Hein. Là, je pars dans 3 jours, je vais au Qatar, après je pars au Panama, après je pars en Équateur, enfin en tout cas, j'arrête pas, parce que j'ai deux passions dans ma vie, le voyage et la musique. Le voyage, ça, jusqu'à la fin de mes jours, je voyagerai. Je peux pas faire autrement. J'adore aller à l'encontre de l'autre et découvrir de nouveaux univers. Et bien nous, on voyage avec toi et on te remercie pour ton incroyable générosité, ton sourire. Ah ben, c'est gentil. Voilà. Et merci. Vraiment, tu nous as donné beaucoup.